L'investissement, ce n'est pas fait pour les pauvres. Quand on est pauvre, ce qu'on doit faire, c'est aller travailler et non investir. Je m'appelle Valère Belias, Alain, le chercheur d'argent. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, tu as une seule chose à faire, c'est premièrement de t'abonner, deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ça afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Enfin bref, ma personne, comme je te le disais en introduction de cette vidéo, l'investissement, ce n'est pas pour les faits pour les pauvres. C'est un sport qui est réservé aux riches. Si tu n'es pas riche, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'aller travailler. Mieux encore, c'est de lancer un business, de le développer. Quand tu seras riche, tu pourras investir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que il y a un phénomène qui se passe chez beaucoup de gens. C'est que beaucoup parmi nous, une fois qu'ils ont découvert ce qu'on appelle la liberté financière, après avoir écouté ou avoir lu le livre de Robert Kiyosaki qui s'intitule « Père riche, père pauvre », dans lequel on dit « Les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils mettent l'argent à leur service. » Les riches sont ceux-là qui, même quand ils dorment, ils gagnent de l'argent. Les gens comprennent, bon, si je veux devenir riche, eh bien, ce que je dois faire, c'est mettre mon argent quelque part et aller dormir. De telle enseigne qu'il y aura des gens qui vont travailler dessus, ils vont faire les investissements et tout. Comme ça, moi, je vais gagner de l'argent en dormant. Erreur. Je vais te raconter une petite histoire et c'est celle de l'une de mes cousines que je vais décider d'appeler ici Anna. Anna, c'est l'une de mes cousines qui, aujourd'hui, elle doit avoir 23 ou 24 ans, qui a fait ses études très brillantes, très, très brillantes à l'école. Et comme nous tous, on lui a vendu le rêve selon lequel pour devenir riche, il faut aller à l'école, avoir un bon diplôme, ensuite tu vas avoir un bon job et tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc ça, c'est le rêve qu'on nous a vendu à tous. Donc vous savez, ceux qui disaient que oh, on vend le vent, l'école vend quoi? L'école vend aussi le vent. Donc, elle a fini ses études, elle a réussi le concours d'entrée à l'école normale supérieure de Yaoundé. Elle a dit, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'école normale supérieure de Yaoundé, l'école normale supérieure de Yaoundé, c'est l'une des écoles qui forme les enseignants de lycée et de collège au Cameroun. Et autant te dire que lorsque tu intègres l'une de ces écoles, c'est un peu le Saint Graal. Parce que quand tu sors de là, tu es directement intégré à la fonction publique. Enfin, avant, c'est ce qui se passait. Et on sait très bien que dans des pays où, en 2020, on a eu une augmentation de plus de 6,1% du taux de chômage, ben, tu comprends que la fonction publique, pour beaucoup d'entre nous, c'est la sécurité, c'est le Saint Graal, là où on a une enquête d'argent régulière tous les mois. Donc, elle a fini, elle est sortie enseignante, et là, elle se rend compte qu'en fait, on lui a vendu un faux rêve, parce qu'elle est enseignante, elle gagne de l'argent tous les mois, mais elle n'est pas pour autant riche, elle n'est pas pour autant libre financièrement, contrairement à ce qu'elle aurait souhaité. Donc, elle me contacte dernièrement, elle me dit, Valère, j'ai commencé à m'intéresser au business, à l'entrepreneuriat, à l'indépendance financière, à l'intelligence financière. Et j'ai envie de mettre l'argent à mon service. Donc, j'ai économisé 500 000. Et désormais, est-ce que tu n'as pas une idée de business que tu pourrais me conseiller dans lequel je pourrais mettre mon argent et le faire fructifier? Et plus loin, elle me dit, il y a quelqu'un ici au Cameroun qui est entrepreneur, il a son business. Et il a proposé que j'investisse 200 000. Et donc, j'aurai un retour sur investissement de 10%. Mais dans 2 ans. Donc, ça fait que je mets mon argent là-bas et comme ça, je pars dormir, ça produit de l'argent. Et l'argent travaille pour moi.
Et donc, quand j'ai écouté ça, j'ai dit que voilà le problème des gens. Voilà le problème des gens qui veulent devenir riches sans travailler. C'est que ce sont des feignants. Ce sont des feignants. Je lui ai dit, pose-toi 2 secondes. Pose-toi 2 secondes et dis-moi. 200 000 francs CFA. Que tu vas investir, que tu vas investir dans le projet de quelqu'un d'autre. Et tu vas aller dormir. Et dans 2 ans, ça va te produire 10% de retour sur investissement. Ça veut dire que 10% de 200 000, ça fait combien? Ça fait 20 000. Donc, ça veut dire que tu, en 2 ans, tu as gagné 20 000. On ne compte même pas l'inflation. Ça veut dire que tu as investi 200 000. Et sur 2 ans, tu as gagné 20 000. Donc, en 2 ans, ça fait 220 000. De toi à moi. Si toi-même, tu t'assois aujourd'hui et que tu te concentres avec tes 200 000, tu peux générer même 1 million sur 2 ans, même plus. Mais le problème, c'est que quand vous êtes des feignants, vous ne voulez pas travailler. Vous espérez que c'est quelqu'un d'autre qui va vous rendre riche. Ça ne se fait pas, ça ne s'est jamais fait. Personne ne va te rendre riche. C'est toi-même qui te rends riche. Si ton père, ta mère, tes frères n'ont pas pu te rendre riche, tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui va te rendre riche? Non. Non, 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 mon ami. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, si tu veux faire de l'argent, si tu veux investir, il faut d'abord devenir un bon entrepreneur. Parce qu'un bon entrepreneur sait comment on produit de l'argent. Il ne peut pas se laisser avoir dans des trucs bizarres. Et encore, j'ai envie de dire, la personne, l'entrepreneur qui t'a dit 10% de rentabilité, ce n'est pas quelque chose de bizarre, c'est beaucoup plus fiable. Parce qu'en général, on ne dépasse pas les 30%. Mais j'ai envie de te dire que mettre 200 000 pour gagner 10% de rentabilité sur 2 ans, franchement, ce n'est pas pertinent. Par contre, je vais te montrer pourquoi est-ce que l'investissement, c'est le sport des riches. Un riche qui décide, par exemple, d'investir 200 millions dans ce business-là et qu'il attend 2 ans pour avoir 10% de retour sur investissement. 10% de 200 millions, ça fait combien? Ça fait 20 millions. Nous sommes d'accord qu'avec 20 millions, il peut vivre décemment. 20 millions par an, tu vis décemment avec ces 20 millions. Voilà pourquoi l'investissement, c'est un sport réservé aux riches. Ce n'est pas pour les pauvres. Quand on est pauvre, on part travailler. On part chercher l'argent, on lance un business, on le fait croître. Ce n'est pas que tu vas prendre tes maigres 200 000, tu vas mettre dans le business de quelqu'un et tu dis que tu vas gagner 20 000. Ça, c'est être con. Et ces ingénieurs sont les paresseux. Et l'un des problèmes aussi des investisseurs chez nous, bon, ce n'est pas que chez nous, l'un des problèmes des investisseurs feignants et paresseux, c'est que quand ils entendent investir, ils entendent « je mets mon argent quelque part, je m'en vais dormir et j'attends le retour sur investissement ». C'est la pire manière d'investir. Il dit bien, c'est la pire manière d'investir. Du moins, moi, je ne recommande pas cette forme d'investissement. Moi, je ne recommande pas. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. C'est d'ailleurs pour ça que moi, très souvent, j'investis très peu dans les projets des autres personnes parce que je me suis toujours dit que tant que je ne peux pas m'impliquer franchement et tant que moi, je n'ai pas un mot à dire dans la direction que prend les projets, si je ne suis pas dans le conseil d'administration, ça va être compliqué pour moi. Parce que moi, j'aime avoir une part de contrôle. Ça, c'est ma manière à moi de faire les choses. Maintenant, chacun fait comme il veut. Moi, j'aime avoir une part de contrôle. Je n'invente rien. Moi, j'essaie de m'inspirer des personnes comme Warren Buffett. Donc, si tu veux vraiment faire de l'argent, il faut que tu sois actionnaire, que tu t'impliques. Ce n'est pas que tu mets l'ange pas dormi. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a tellement de choses qui se cachent derrière tout ça. Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo. Donc, mon propos ici, c'est de te dire que si tu veux investir dans un projet, soit tu estimes que, soit tu pars d'un petit projet, ou par exemple, le plus gros actionnaire a peut-être, je vais dire peut-être 200 000, un petit projet qui demande 1 million, et toi tu mets peut-être 200 000 de capital, ça veut dire que tu as 5%, ça veut dire que tu as un cinquième, et tu as ton mot à dire. Par contre, imagine un projet qui demande des milliards, et tu investis à peine 200 000. Mais tu n'as rien à dire, tu subis seulement ce qui se passe. Tu subis, le jour que tu n'es pas content, tu te barres. Alors que si un projet peut-être de 1 million où tu as mis 200 000, si ça ne va pas, tu peux dire non. Ce que vous avez fait là ne m'arrange pas. Je vous propose qu'on aille plutôt dans cette direction. Même s'ils ne vont pas dans ta direction, ils vont d'abord t'écouter. Et là, ton mot compte. Tu as du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'investis pas pour investir. Donc, c'est ça, c'est le mot d'investissement des paresseux. Et lorsque tu investis, il faut t'arranger à interagir, à apporter les moyens aussi. Je ne parle pas des moyens humains. C'est le meilleur moyen de rentabiliser un investissement. Donc, si jamais tu veux investir dans des projets qui pourront t'aider à apprendre, parce que pour gagner un investissement, il faut d'abord apprendre. C'est ça le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne veulent pas apprendre. Ben, il y a une solution qui se trouve à toi, c'est la communauté des chercheurs d'un certifié, une communauté au sein de laquelle on monte des projets ensemble.
et on travaille dessus ensemble. On n'a pas besoin de personnes qui vont juste mettre l'argent et aller dormir. On n'est pas encore à ce niveau-là. Nous sommes au niveau où, dans cette communauté-là, on monte un projet comme le projet de location de véhicules que nous sommes en train de monter au Sénégal à l'instant où je parle ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin des actionnaires, des personnes qui mettent l'argent et qui travaillent avec nous. Pas des personnes qui mettent l'argent et partent dormir. Donc, si de tels projets t'intéressent, rejoins la communauté des chercheurs d'argent certifié en cliquant sur le lien qui est juste en commentaire. La deuxième annonce qui est non négligeable que je partage avec toi aujourd'hui, c'est que si tu es en business, tu dois savoir que le cœur d'un business, c'est la vente et le sang d'un business, c'est l'argent. Et si tu es entrepreneur et que tu ne sais pas vendre, c'est dangereux. Donc, si jamais tu veux bénéficier des stratégies avancées de vente, je donne rendez-vous ce 16 juillet 2022 dans la ville de Marseille pour une conférence de très haut niveau sur maîtriser l'art de la vente. Au cours de cette conférence, je ne serai pas seul. Je serai avec Arnold Minot, un entrepreneur e-commerce qui génère des millions d'euros de chiffre d'affaires grâce au e-commerce. Donc, au cours de cette conférence aussi, il te partagera les nouvelles stratégies pour générer minimum 3000 euros de chiffre d'affaires grâce au e-commerce par mois. Ce n'est pas du vent, il a des chiffres. Et si c'était du vent, on n'aurait même pas travaillé avec Arnold. Et juste qu'on a vu ses résultats, il a des résultats de dingue et on doit absolument bénéficier de son expertise. La troisième annonce non négligeable, c'est que le 5 et le 6 août 2022, nous serons à Ouagadougou pour une conférence de très haut niveau qui s'intitule « 28 jours pour écrire et vendre ton livre », un livre inspirant. Et puis, du 12 au 13 août, nous serons à Yaoundé, à l'hôtel Franco, pour la même conférence qui s'intitule « 28 jours pour écrire et vendre un livre inspirant ». Donc, c'est le type de rendez-vous à ne surtout pas manquer parce que ce type de rendez-vous à eux seuls, transformer les vies au quotidien. On l'a déjà fait avec plus de 72 auteurs. Ça va être la 5e édition et ça va juste être énorme. Cela étant dit, si tu veux vivre une expérience unique, eh bien, tu as une seule chose à faire, une fois de plus, c'est cliquer sur le lien qui se trouve dans le commentaire. Cela étant dit, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble, commandez ça. Et je te dis, Minakano.